Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, et si vous le permettez, chers amis, mes chers compatriotes français d'origine asiatique, je veux vous transmettre aujourd'hui les vœux de bonne année de la nation française tout entière. La France est fière, la France est reconnaissante de compter en son sein des citoyens aussi exemplaires, aussi dévoués, aussi travailleurs, qui apportent autant à notre pays. Nous avons voulu que la collaboration entre la France et la Chine, je me suis rendu à deux reprises en Chine l'an passé, pour évoquer tous les sujets avec le président Hu Jintao. Cela nous a permis d'accroître notre effort commun de réponse à la crise, mais également de poser des jalons pour des réformes longtemps différées, comme celle du système monétaire international. Troisième grand pôle émergent d'Asie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos sont des pays auxquels l'histoire nous lie intimement et avec lesquels nous entretenons des relations de très profonde amitié. J'ai voulu que nous allions plus loin en tissant avec d'autres pays de cette région des relations nouvelles. C'est le cas de l'Indonésie, 250 millions d'habitants, avec laquelle la France a établi l'an dernier un partenariat stratégique. Je souhaite que vous soyez mieux représentés dans notre pays, à tous les niveaux, dans le monde politique, dans le monde économique, dans la sphère culturelle. Je souhaite que vos communautés d'ordinaire discrètes prennent la parole, qu'elles défendent leurs idées, que vous vous engagez pour apporter à la France votre vision, votre énergie, votre imagination, votre intelligence. Je sais qu'aujourd'hui, une nouvelle génération de Français d'origine asiatique est en train d'éclore, que cette génération a soif d'engagement, qu'elle a soif de reconnaissance, qu'elle a envie d'avoir une place dans la société à la mesure de ce qu'elle lui apporte. Cette aspiration, mes chers compatriotes, je l'entends, je la soutiens et je compte bien me battre pour la concrétiser avec vous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et l'occasion de mettre à l'honneur un précurseur en matière d'engagement, Michel Lu, à qui je remettrai dans un instant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je voudrais vous saluer tous, vous redire mon amitié, mon estime, saluer votre courage, parce que j'imagine que derrière les sourires, il y a eu beaucoup de souffrance dans certaines de vos familles. Beaucoup de sacrifices pour devenir ce que vous êtes devenu. Beaucoup d'efforts pour vous intégrer. Beaucoup d'engagement et en même temps, beaucoup d'amour de la France. Mon ami Patrick Caram le dit souvent, s'agissant de vous, en soulignant à quel point vous êtes conscient de tout ce que la France vous a apporté. Et je voudrais ce soir vous dire combien la France est consciente de tout ce que vous lui apportez. C'est dans les deux sens que notre engagement vaut, c'est dans les deux sens que notre amitié se nourrit. Bonne année 2012, mes chers amis français d'origine asiatique.